Je voudrais vous parler d'un enjeu qui est important puisque c'est celui sur lequel vous me demandez de plus en plus de vous accompagner. C'est le recrutement de ce que nous appelons les hauts potentiels. Ces hauts potentiels, on va chercher à ce qu'ils puissent accompagner la croissance et la transformation de vos entreprises. Ces hauts potentiels, c'est bien sûr des perles rares et qu'il va falloir évaluer de manière poussée pour garantir qu'ils vont pouvoir gravir au moins 2 échelons sur 5 ans. Plusieurs piliers pour ça, plusieurs modèles d'évaluation. Le premier, c'est mesure de leur capacité d'apprentissage. Est-ce qu'ils apprennent de manière précise et est-ce qu'ils apprennent rapidement? Est-ce qu'ils vont s'approprier votre environnement? Le deuxième, c'est est-ce qu'ils ont une capacité à manager la complexité, à manager le changement? Ça, c'est un élément qui est essentiel dans vos enjeux notamment de transformation. On a ensuite un troisième pilier qui est absolument important, c'est l'engagement du candidat. Est-ce qu'on a quelqu'un qui va se donner tous les moyens qui vont lui permettre d'atteindre les ambitions que vous lui aurez fixées? Ensuite, on a un autre pilier qui est très important, qui est celui des relations interpersonnelles. Est-ce qu'on a un candidat qui est en capacité de créer à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi en dehors, le réseau qui va lui permettre de mener à bien les projets qui lui sont confiés? Et enfin, on va mesurer sa capacité de leadership. Est-ce qu'il est capable d'emmener les projets? Est-ce qu'il est capable d'emmener les équipes?